Salut tout le monde, ici le Capitaine Flamme. Donc on se retrouve pour le setup de la BMW Z4, donc en groupe 3. Voilà, donc je vais vous présenter le setup. Donc c'est un setup pour avec le mode salon en équilibrage de performance. Hein. Voilà. Donc hein, comme j'ai mis ici, réglé EDP, donc un CST, donc super tendre. Avec équilibrage de performance. Hein. Donc au niveau de la garde au sol, donc 85, voilà, 100 à l'arrière, hein, donc pour avoir une bonne stabilité, hein, donc j'ai mis un assez haut quand même. Hein. Et donc c'est pareil hein, pour ici, voilà, niveau des virages, elle sera vraiment maniable, hein, donc pas de problème, 85-100 pour la hauteur. Ce qui concerne la fréquence naturelle, donc très souple, 2,60. Et 2,80 derrière. Si vous voyez qu'elle est un peu instable, voilà, on pouvait augmenter très légèrement la fréquence naturelle à l'avant. Voilà. En ce qui concerne sinon la barre anti-roulis, donc 10 devant, 6 derrière, hein, pour éviter qu'elle survire. Voilà. Après, au niveau de la compression, ça c'est selon les circuits, bien sûr. On fait en moyenne 56 devant, 58 derrière et 85-85. Voilà. Si vous avez tendance à prendre un peu plus les vibreurs, vous pouvez monter ici, voilà, mettre à 57, 58 quoi. Voilà, vous verrez. Niveau du carrossage, donc 2,5 devant, 2,5 derrière. Alignement moins 0,04 et plus 0,18 derrière. En ce qui concerne l'aéro, donc là je l'avais roulé sur Dragon Trail, voilà. Donc 400 devant, 765 derrière. Voilà. Et au niveau du DGL, donc 10, 15, 10. Voilà, avec une boîte traditionnelle à 2,70. Hein, voilà. Donc voilà une bonne voiture. Hein, moi, je l'ai vraiment appréciée, donc je vous la conseille. Voilà. Donc bah, je vous dis à plus tard. Puis n'oubliez pas de liker, vous pouvez laisser des commentaires donc sur ma page YouTube. Setup gtsport.fr ainsi que Facebook. Allez, salut tout le monde et à bientôt.